Flash, vous l'avez sûrement remarqué, partout on parle de danse, que ce soit dans les émissions de télé-réalité ou lors de concours, on parle de danse et surtout de danse urbaine. C'est pourquoi on a décidé de consacrer la prochaine demi-heure à la danse urbaine ici au Québec. On est très fiers d'accueillir un collectif de danseurs et d'artistes qui travaillent très fort pour redéfinir la danse urbaine québécoise et ici, ailleurs et ailleurs dans le monde. Ils seront accompagnés de leur DJ Marie B. Bienvenue à notre émission spéciale Danse urbaine avec Black Jungle. Just blaze. Okay. Get free. Okay. Get wild. Si tu quieres mujeres, she says she blow la la. Flip side. Now she my baby mama. Get wild. Okay. Freeway got the hood on smash. Pop and tick. Step on gas and get ghost, nigga. Freeway got the club on lock. Step on stage. Shut it down. Leave with a bra. Check for an edge. Post up. Fans are circle the block. Call the cops. It's the rock in your area. Post up. Distribute to the block. Vodka up in my hand.
pit. I'm in Miami trick. Drink all day. Over like a dash, quick to off the chopper. Kerosene, that's where them boys get weightlifted. That's where them chicos get loose for real. One time, Seminola and Mango Hill, dawg, let's get it. I'm cool like Trey when I'm off in North Miami. These boys don't play, they'll tie up your whole family. I'm talking sister, a brother, granny, pappy, and mammy. That's what happens when you got a safe house. Bitch, welcome to Miami. Take it to the city. Get your hands up. Et oui, ça bouge fort en studio. Restez avec nous après la pause. Notre présentation spéciale danse urbaine avec Black Jungle se poursuit. J'apprends peut-être à danser. Spéciale danse urbaine. On a avec nous Black Jungle. Ça va bien, les gars et les filles? Et on a l'homme qui reste de Black Jungle, c'est Tiger. Ça va bien? Oui, ça va très bien aujourd'hui. Oui, alors on est ici pour parler de danse urbaine, mais aussi de Black Jungle. Comment décrire ce collectif? Ah, ce collectif, c'est, pour moi, c'est juste quelque chose de très incroyable parce qu'on amène la danse à un autre niveau où ce qu'on enlève les préjugés. Les jeunes peuvent en faire, les adultes peuvent en faire. Peu importe ta grosseur, ton 16, tu peux en faire. Fait, on a du monde qui, même qui sont handicapés, qui sont avec nous, qui vont vous montrer que tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Ouais. C'est bon parce qu'avec Black Jungle, on parle aussi d'un message positif. Est-ce que c'est ça, que c'est une danse qui est accessible à tous? Ah oui, à tous, peu importe l'âge. En ce moment, à Montréal, on a beaucoup d'opportunités parce qu'on a des écoles de danse qui sont ouvertes, comme Shona Robert Dance Studio, Urban Element au métro Jean Talon. On a des pratiques qui sont gratuites offertes à Urban Element. On a des pratiques à 2$ à Shona Robert. Fait que c'est vraiment disponible à tout le monde. N'importe qui veut s'exprimer, qui veut prendre des cours ou une pratique libre, maintenant à Montréal, c'est disponible. Tiger, la danse urbaine est super populaire ces temps-ci, mais ça fait quand même des années que c'est populaire, dans les années 80 surtout. Pourquoi est-ce qu'il y a un engouement présentement? Pourquoi est-ce que tout le monde capote là-dessus présentement? Ça, c'est une très bonne question. Merci. Je suis vraiment content que tu me la poses. C'est parce qu'on a de l'amour pour ce qu'on fait. Okay. C'est pour ça que peu importe ce qui arrive, on est toujours là et il y a quand même une scène active, vivante à Montréal. Pourquoi? Parce que on aime ce qu'on fait. On le fait pas pour l'argent. Alors, on va toujours vivre. On va toujours être là. Ouais. Tu parles de la scène de danse urbaine au Québec et à Montréal. Est-ce qu'il y a vraiment une différence avec ce qui se passe ici, présentement, avec la danse urbaine, si on comparait à peut-être aux États-Unis ou ailleurs au Canada? Une autre très bonne question. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'à Montréal, on a créé beaucoup de styles qui ont été volés. Ah ouais? Dans d'autres pays. Et maintenant, on croit que ce style-là vient de ces pays-là. Mais ça vient d'ici, à Montréal. C'est juste qu'on a un petit problème de langage à Montréal. On est dans une province un petit peu différente. Mais il y a beaucoup de styles qui ont été pris d'ici. Mm-hmm. Et maintenant, tout le monde croit que ça vient de New York, que ça vient d'ailleurs. Fait que, dans le fond... C'est ça. Alors, est-ce que vous êtes en train de réclamer un peu ce qui nous appartenait ici mon but, au Québec? Mon but, vraiment, c'est de mettre Montréal sur la map mondiale de la danse. Et tout le monde est là pour le prouver. S'il fallait décrire Black Jungle en une phrase ou un mot, ça serait quoi? En une phrase ou un mot? Un mot, oui. Un mot.
peut-être faudrait le demander au public ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment décrire Black Jungle? Comment décrire? Movement! Un mouvement! Ben alors, ils vont nous le montrer, ils vont nous le prouver. Vous allez danser pour nous maintenant? Ouais? Let's go. Black Jungle, on y va! Hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Take nothing less than the supreme best. Do not obey rumors, people say, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. A star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own me, to control.
feel her on my skin. I can taste her on my tongue. She's the sweetest taste of sin. The more I get, the more I want. She wants to own me. Come closer. She says, come closer. Hey, and I just can't pull myself away. Under a spell, I can't break. I just can't stop. I just can't stop. C'est notre présentation spéciale Danse sur Dance sur les ondes de Musique Plus. Vous êtes toujours sur les ondes de Musique Plus. C'est notre présentation spéciale Danse sur Dance avec Black Jungle, en compagnie de Black Jungle et Tiger. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'activités sur la scène. Mais comme tu as mentionné tantôt, ça... avoir toutes sortes de danseurs, ouais. Mais il faut dire qu'il faut faire attention aussi. Les gens à la maison ne peuvent pas se garrocher n'importe comment. Je dois le préciser, même s'il y a des jeunes avec nous, du monde plus grand, plus petit, peu importe, ils sont tous professionnels. OK. Alors, c'est ça que je veux donner comme détail parce que le monde, il regarde ça, ils sont comme « Ah, c'est cool, je vais faire ça chez nous. » Ouais. Ils sont professionnels. Ouais. Ils sont professionnels. J'ai essayé de faire le verre de terre une fois, puis ça peut fonctionner du tout. Mais en parlant des moves de base, ouais. Est-ce qu'il y en a que des petits qu'on peut apprendre ou qu'on... on peut voir présentement. Vous donnez un exemple. Si vous voulez faire du break dance, du b-boying, on commence avec le six step. Flo, tu peux venir ici un moment? Montre-moi un peu le six step. Ça va bien? Tu peux-tu compter en même temps, Flo? Doucement. Compte, s'il vous plaît. Et tu répètes. Ça s'appelle le six step. Fait que c'est comme ça que tout le monde a commencé ici, non, à peu près. Non, je vous donne un exemple. Okay. Luda. Lui est en hip-hop. Okay. Moi, j'ai une base de hip-hop. S'il veut apprendre à faire du hip-hop. Rapide, parce qu'on va aller en danse. Okay, moi, c'est pas mal grimy, alors je dirais ça, juste un flow. Écoute, tu veux nous le montrer, parce que pour l'instant, Black Jungle, on s'en va, et c'est Janet Jackson. Yes. Merci beaucoup, Let's tout le monde. Go.
pour notre présentation spéciale Danse urbaine. Un gros merci à vous d'avoir été là avec nous. Et bien sûr, un gros merci à Black Jungles.